Salut tout le monde, bienvenue à Cooking 42. Pendant que Zachary est tranquille dans son coin, tu dis bonjour à Intensité? Non, tu as montré puis tu dis bonjour. C'est soit ça, soit je te fais porter ton costume que Mamie Lily t'a acheté pour faire de la manger. Bon, ok, tu peux t'en aller, petite fesse. Il est content de s'en aller. Il veut même pas te parler, Intensité. OK. Non, tu veux même pas rester devant la caméra. T'as mieux joué à ta Switch. OK, Fakaï, aujourd'hui, je fais des biscuits au chocolat. Puis, on fait du poulet frit. C'est Intensité qui veut que je fais un stream de cooking, en tout cas. C'est surtout... ben, ça me tentait d'en refaire un autre, puis Intensité qui m'a donné le coupé dans le cul pour que j'en fasse un autre. Fait que j'en refais un autre. On va commencer en premier... Je vais commencer en premier lieu avec les biscuits. Je les ai déjà faits dans le passé, mais ça fait longtemps. Fait qu'on va prier le Seigneur de réussir encore. Là, Intensité, t'es-tu encore dans le chat ou t'as disparu ou c'est mon chat qui fonctionne plus? Je vais juste me dire, là, si tu es encore là, s'il vous plaît. Fait que, c'est ça. Fait que je vais commencer avec les biscuits en premier. Puis pendant que je vais faire les biscuits, je vais faire le poulet frit. Fait que je vais commencer tout de suite avec les biscuits. Les biscuits au chocolat, là, c'est sur... les deux recettes sont sur Recettes du Québec. Poulet frit, par exemple, c'est le poulet frit de Chuck Hughes. Fait que j'aime bien Chuck Hughes. Fait que c'est ça qui est ça. Bon, biscuit à l'avoine. Premiers ingrédients, de la cassonade. Malheureusement, ma cassonade, elle a un peu pris l'humidité. Je vous donnerai le truc dans quelques instants pour enlever l'humidité. Parce qu'il y a un truc pour ça. Margarine. Sucre. F. Ah, en plus, je viens d'aller les acheter à l'épicerie. Il me manquait quelques ingrédients. Lait. Là, je reste pas. Là, j'ai Zach qui est en train d'être hyper trop fier de jouer. Zach, il joue à Smash Bros. Juste pour vous donner une idée. Alors voilà. J'essaie toujours d'avoir un cul de poule de vide pour mettre mes instruments. Puis un autre cul de poule pour mettre mes déchets. Sauf qu'entre vous et moi, j'ai ma poubelle qui va être à côté de moi, fait que ça va bien aller. Puis j'essaie toujours d'avoir comme le... Celui-là, c'est mon plus gros cul de poule. Ben j'en ai un plus gros que ça. Mais pour mélanger le tout, là, ça va bien. Bon, mélanger cassonade. Un quart... Une tasse et un quart. Oh! Ma quart est où? Elle est là. Une tasse et un quart de cassonade. Là, là! Hey! Pas si pire que ça! Il y a un truc pour enlever l'humidité de la cassonade, là, parce que... Je sais pas si vous allez bien voir, là. La cassonade des moutons. Assez dur. Là, c'est plate. J'ai comme un décalage, là. Mais... La cassonade, elle fait des roches, elle fait des moutons. Il y a un truc pour enlever ça. Puis c'est de mettre une tranche de pain. Le truc, pourquoi de mettre une tranche de pain? C'est parce que c'est le pain qui va aller chercher toute l'humidité que la cassonade va avoir. Fait que c'est le truc pour enlever l'humidité. Après ça, bon, comme j'ai dit, on va prendre une tasse. On va essayer de voir si je pourrais pas le verser. En faisant attention. D'après moi, ça ne fonctionnera pas. Enfin, on va les prendre. On va le prendre avec la cuillère. Comme ça. Une tasse et un quart. Intensité, je compte sur toi sur le chat parce que je ne serai pas tout le temps devant le chat, s'il vous plaît.
C'est juste plate que je t'ai pas sur Discord. Mais bon, ça on va s'y faire. Faudrait que j'écrase la cassonade un peu. Parce que sinon, je vais en manquer. À moins que je prenne un autre vieux truc à ma mère quand le cassonade est trop en moton, là. Mais m'essayer de prendre les plus petits morceaux. On va essayer de les écraser ouais, avec les cuillères, sinon ça va être le truc à ma mère. J'avais dû acheter un sac de cassonade aussi. Mais il fallait pas que j'y pense, tu sais. Non, ça s'écrase pas pire avec cuillère. Là, je suis désolé, là, ça se peut que je puisse pas faire deux choses en même temps. On va faire notre possible. OK. Ça s'écrase pas pire, mais j'avoue que j'ai un meilleur truc que ça. Mais ça fait un job. On va se faire des bras. Le petit tannin, il m'a fait mettre un film, puis il écoute même plus. Tu vas plus écouter ton film, Zach? Ouais, je pourrais bien écouter mon film. On va l'avoir. On va réussir à l'écraser. D'après moi, mon pain, il était vieux puis il a tout pris l'humidité. Puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris de cassonade que... D'habitude, je fais énormément de gruau, mais là, on dirait que depuis une semaine ou deux, j'ai pas fait de... Ben, faut dire, je me fais souvent des gruau quand je vais travailler, là. Une semaine que j'ai pas été travailler, fait qu'on dirait que la cassonade a pris toute l'humidité en une semaine. Que tu me regardes de même, toi? Il est genre, pourquoi tu me chicanes, toi? Bon. Essayer de reprendre un autre quart de tasse de petits morceaux. Parce que les gros, ils ne seront pas évidents à écraser, eux autres. J'espère juste que le pain va faire la job pendant le temps que... Hey, c'est vrai, il faudrait peut-être que je préchauffe le four. Ben ça, je vais le faire après que j'aille finir avec la cassonade. Comme ça, je suis sûr de pas manquer le four. Pendant que je vais faire les biscuits, il m'en manque pas gros. Je l'ai. Bon. 350. On fait piquer le four. On va continuer à écraser la cassonade. Tape ses nerfs. Juste voir la vue à date. Oh. J'espère que l'internet plante pas trop. Là. J'espère que l'internet plante pas trop. J'en reviens. Je vais aller faire quelque chose.
Non, ça va. Merci beaucoup, intensité. Là, vous en doutez quel film que Zachary écoute, hein? Si vous avez une bonne connaissance cinématographique. Mais je pense pas qu'il y a grand monde qui vont le deviner. Ben moi je sais c'est quoi là, c'est les autres, savoir si les autres vont le deviner là. Une tasse, aïe, j'ai tout le temps un malaise à mettre comme une tasse de margarine. C'est malaisant. Mais en même temps, t'as comme pas le choix, mais c'est malaisant. Tu sais, là, faut que tu mets une tasse de margarine. Je suis comme, ah, c'est graisseux au bout, mais c'est tellement bon des biscuits. Tu bois des biscuits, Zach? Au moins, c'est moins épais que des bonbons aux patates. Des bonbons aux patates, faut mettre comme une tonne de tasses de sucre glacé, là. Hey, non. Tape-moi pas ses nerfs. Oh, Zachary a réussi à mort. Un ennemi. Il manque une cuillère de beurre. On va souhaiter que ça fonctionne. Et il manque une cuillère de beurre, Zach. On va souhaiter que ça fonctionne. Ouais. Une demi-tasse de sucre. Tu sais, j'ai tout pensé sauf le beurre. Puis la cassonade. Mais j'ai pensé à tout. Vraiment, vraiment fort, Pat. Zach, tu peux m'applaudir? Zachary, il connaît pas encore c'est quoi le sarcastique. deux cuillères à soupe de lait. Non, le lait, on en a assez pour la semaine encore. On mange assez de céréales, là. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses bien? Il est fier de dire qu'on mange des honeycombs. Ouais, parce que t'aimes ça. Et on va mélanger le tout. Ouais, ben faut dire qu'on n'a pas mangé beaucoup de beurre de peanut dernièrement, hein? D'habitude, tu manges juste du beurre de peanut. Ben, ah ben ça a l'air pas pire. Ça a l'air faire une pas pire pâte, sais-tu? Malgré que j'ai pas toute ma margarine, là. Ça fait une pas pire pâte. Ben, je l'ai déjà fait une tonne de fois, fait que... Après ça, farine. Une tasse et trois quarts de farine. Bon, là... Je serais supposé d'avoir... On va la mettre. Et voilà. Une tasse. Trois quarts. J'en ai une autre. Et trois quarts.
de farine. Le sel. Bon. On va faire ça comme ça. Le sel, bicarbonate de soude, j'avais-tu sorti, oui. Bicarbonate de soude, une cuillère à thé, des plus petites. On va mettre les ingrédients de côté. Là, ça va pas bien. Ah, j'ai de la misère avec Internet sur mon ordi. Tu veux aller voir, Zach, si ça fonctionne encore sur l'autre ordi, s'il vous plaît? Ça fonctionne? Merci. Oh, pendant ce temps-là. Non. Attends, il y a un problème. Non, pas tant. Non, tout a de l'air beau. Mon portable n'a plus d'internet. Non, tout a de l'air beau. Ouh. Mon portable n'a plus d'internet. Non, tout a de l'air beau. Ouh. On m'entendait en double. On va faire quelque chose. On va... Si je me mets ici... Ah! Ici, ça a l'air bien aller. OK. Ça a l'air... Ah, OK, ça fonctionne. Je suis désolé. Petit problème d'internet là, pendant 30 secondes et trois quarts là. OK, bon. On a tout mis. On rebrasse. On y va tranquillement pour ne pas faire de dégâts. Là, j'ai un perroquet dans la maison. Le perroquet le plus tannant au monde. Zachary est le garçon le plus tannant au monde. Il fait le chat. Il a vu Astérix hier, fait que là, il n'arrête pas de faire le chat. En tout cas. Non, OK, ça fonctionne encore là-bas. J'ai de la misère avec l'Internet sur mon portable, c'est fou. Bon.
il va manquer un peu de gras. Incorporer l'avoine. 2 tasses et demie d'avoine. On va y aller avec celle qui a servi pour la farine. J'ai-tu un autre demi-tasse? Ouais. Deux tasses et demie d'avoine. Puis 12 onces. J'ai ça quand ils mettent des onces. Une tasse et demie de chocolat. Là, un truc, là, pour pas que vous soyez obligé de vous pencher, là, mettez votre mesure à l'opposé de vous. Vous lisez à l'envers. On met ça là-dedans. Là, après ça, checkez bien ça. Ça, c'est le fun quand on fait des biscuits. Là, vous allez voir. Ça, c'est le trip de quand on fait des biscuits. Là, je suis désolé. Le lavabo est un peu sale. J'ai lavé la friteuse avant de faire le string, là. On va laver nos mains comme il faut. On va remettre notre planche. Puis ça, c'est le trip quand on fait des biscuits. C'est de faire avec notre main. Pour que tout soit bien mélangé, là. Puis là, on va se rassurer qu'on a tout le mélange ensemble. Je sais pas, là. Surtout qu'on a moins de margarine. C'est vrai que j'avoue que Zachary m'a lancé une bonne idée tantôt. Puis ça va peut-être aider. Ah, tu m'as donné une bonne idée tantôt. Tu veux-tu aller me chercher la barre de peanuts, Zach? Tu es-tu y où? À côté de son micro? Ouais. Parce qu'il faut un corps graisseux. T'es tannant. Fais-moi une grosse cuillère, s'il vous plaît. Ouais. Grosse cuillère à soupe. Merci. Tu peux-tu m'ouvrir le pot de beurre de peanut? Ah, il s'est déjà ouvert. Ouvre-moi là comme il faut. OK. Le pain. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Une troisième cuillère. OK, va me le mettre de côté. Pourquoi? T'en auras encore de belles dépenses? Non. Je pense pas. Parce que le but, là, c'est comme faire une grosse boule. Là, juste pour faire par exprès, ça colle partout dans les mains.
On va l'avoir. Je suis pas inquiet. Fait qu'on a modifié un peu la recette. T'es-tu en train vraiment de me taper les fesses devant tout le monde? Non. Non? T'es-tu vraiment en train de faire Dance of Fortnite devant tout le monde? T'es tannant. Bon. On va essayer ça. On va voir si ça va fonctionner. Bon. Ah là, t'as vu qu'on te voyait pas comme il faut, fait que t'as décidé de reculer. La meilleure chanson au monde? Fall Out Boy en plus. Ça, c'était Fall Out Boy qui la chantait, hein? Yeah. Yeah. T'es tannant. Quoi? Ben, on te voit, là, sauter sa caméra. Hey, non, fais attention, Zach. Ça a déjà tout pris pour réussir à faire le setup, là. Intensité, t'es-tu encore sur le chat? Juste pour faire plaisir au petit bonhomme, là. Faut pas qu'il pense qu'il fait ça pour rien, là. Cool. Eh ben, on va réussir à faire quelque chose, Zach. Hein? Ah, mais attends, sont pas au four encore. On va réussir à faire quelque chose, Zach. Avec ton idée en plus. T'es tannant. Tu sais, là, intensité, là, c'est ça que je te disais, là. Fait une semaine, là, je l'ai, là. Fait une semaine qu'il bouge de même. Fait que tantôt, là, quand je te disais en privé, là, que j'étais content qu'il était assis en écoutant des films, là. Fait 10 mètres qu'il était là comme ça. Non, tu fais pas celle-là. Il y a juste une danse qu'il n'a pas le droit de faire de Fortnite. Tous les autres, il a le droit d'y faire, là. Encore là, il faudrait qu'il les connaisse toutes. Non, c'est pas une danse à Fortnite, ça. Non, la première danse à Fortnite. T'y connais même pas. Tu joues même pas au jeu. Comment tu peux savoir ça, ces danses-là? Eric, il joue pas à Fortnite? Eric, il joue à Fortnite? Non. OK. J'aurais enfin trouvé des fois ce gars-là. Ça, c'est le plus long, mais on sait que le meilleur s'en vient après ça. Les biscuits? Là, tu sais, Zach, il y a plein de monde qui t'agarde sur Internet, hein?
Là, il s'est comme aperçu. Attends, là, je pars sur Internet, moi, là, là. T'es tannant. Il n'y a pas plus tannant que toi. Ça existe-tu quelqu'un de plus tannant que toi, Zach? Qui? Ouais, c'est ça. Hey, fais attention là, c'est mon tablier. J'en ai encore de besoin si tu veux qu'on mange. Non. J'en ai encore. Hey, il m'en reste encore. Et tester, il va. Je vais avoir trop de biscuits. Ben là, pas tout de suite. Ouais, d'après moi, il va en avoir plus que 12, mon cher. C'est supposé d'en donner une vingtaine. Quoi? Ouais. Non, touche pas, touche pas. Eh non, j'en ai 12, il en faut une vingtaine. Une vingtaine, c'est quoi, Jacques? Une vingtaine, c'est combien? Une vingtaine. Pense-y, vingtaine. Bon, là, j'en ai combien? Non, hé, hey, on peut pas jouer des... Oh, merde! Il mouille! Il arrête pas de mouiller, puis on a eu plein d'activités toute la semaine, puis la seule journée qu'il pouvait jouer des... Oh, il mouille! Il peut... On peut même pas jouer des... Oh. Fait que là, la butte de neige qu'il y a dans le quartier, parce que il y a un parc comme une butte de terre artificielle, une petite montagne artificielle qui est remplie de neige l'hiver, ben là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben là, la neige est plus belle, fait que là, il peut plus glisser. Fait qu'oublie ça. Isaac. Fais pas ça. Fais le chat. En tout cas, ça manquera pas de pépites de chocolat, cette recette-là. Ils vont-tu être bons d'après toi? Quoi? De quoi si on en rajoute dessus? Mais non! Je pense qu'on va en avoir assez là. Puis de toute façon, papa aussi, il faut qu'il fasse le souper là. Non, d'après moi, là, la dernière, là. On va y goûter, ouais. Ah, ça va, bon. Ah, ouais. Bon. Non, tu goûtes à eux autres. C'est bon, hein? Bon. Là, après ça, on les met 10 minutes au four. Finalement, ça en a donné 15. Oh, ça ferme pas comme ça. On va faire quelque chose.
Puis là, j'ai l'impression de jouer à Tetris. Zach, fais pas ça. Lève-toi debout, va écouter ton film. Parce que là, tout le monde te voit en train de faire le nono. J'aime mieux un garçon tannant puis en santé qu'un garçon pas en santé puis malade. Ben, je l'aimerais pareil, là, on s'entend, là. Eh bon. En tout cas. J'ai peur que vous n'ayez pas l'odorama à la maison. Puis là, vous voulez savoir c'est quoi la joie de ce double fond-là? Checkez bien ça. C'était le fun de tricher. Là, j'avais pas besoin de barre hein, pour mon autre recette. Non, merci. Phew! Pas besoin de barre. Là, la prochaine recette, poulet frit. Mais le temps qu'on fait la recette du poulet frit, là, il n'y a même pas d'huile. Très intelligent, Pat. OK. On va rajouter d'huile dans la friteuse. Là, c'est plate. Vous ne voyez pas la friteuse là, avec l'autre angle. Là. Puis on va baisser un peu ça. L'huile est toute fraîche en plus aujourd'hui. Ben, l'huile est toute fraîche, ça se dit-tu? En tout cas, j'ai acheté mon huile aujourd'hui. Il est en spécial. Zach aime ça le poulet frit, puis moi aussi, fait que... Puis j'ai... Ben, du poulet frit, du poulet Kentucky! J'ai-tu mon minimum? J'ai même pas mon maximum. J'ai même pas mon entre-deux, fait que j'ai bien fait d'acheter 2 litres. Hein. On va mettre... Là, j'ai reçu de l'huile sur moi. Génial. Et que c'est dégueulasse. J'ai reçu de l'huile sur moi. Youpi! Tu voulais ton épique fer, l'intensité, tu l'as. J'ai reçu de l'huile sur moi. T'en voulais un épique fer, tu l'as, là. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. OK. Ah, là, ça fonctionne. Bon, pendant qu'on part la friteuse, je pars tout le temps le ventilateur. T'as fini ta porte! Ouais! Attends, si t'as fini sa porte, Zachary! Là, ceux qui comprennent pas, t'es en train de peinturer sa porte. Fait que, bon! OK! Prochaine recette!
On va aller chercher la farine tout usage. On va aller chercher tous les ingrédients. C'est toutes des épices. Zachary l'aime bien, sauf qu'au début, je mettais du cumin ou du paprika fumé puis de la cayenne. Mais Zachary, on s'est aperçu la première fois que ça fonctionnait pas. Il finissait pas ses ailes. Fait que j'ai enlevé. C'est simple, c'est 2 tasses de farine, 2 cuillères à thé de paprika, 2 cuillères à thé de poudre d'ail, 2 cuillères à thé de poudre d'oignon, 1 cuillère à thé de paprika fumé, 1 cuillère à thé de poivre de cayenne, 1 cuillère à thé de moutarde en poudre, du sel, du poivre. Et c'est ça. Sauf que je me suis aperçu que Zach, il mangeait pas ses ailes de poulet quand je mettais le poivre de cayenne puis le paprika fumé, parce que ça faisait que ça faisait fort. Fait que j'ai décidé de retirer ces 2 éléments-là et ils mangent mieux la recette. Sauf que là, comme vous savez, mes tasses sont toutes prises. Fait que on va prendre une tiers de tasse. Puis on va en mettre 6 fois. Bon. Là, juste pour faire exprès, ma recette, elle a tombé. On va la remettre. C'est dommage parce qu'en plus, la recette est adaptée pour les enfants. Oh non! J'ai juste une tasse. OK. Non, vraiment pas tant. Hey, donnez-moi un instant, je reviens. Zach, je te donne un défi pour que tu fasses la danse de Fortnite le temps que je pars. J'en reviens dans 30 secondes, OK?
pas travailler comme connerie, là. Ouais, ben là, il est tanné, là. OK, on va enlever les biscuits. Est-ce qu'ils sont réussis? Non, il manque un peu de Christian. Un peu, un petit deux minutes. OK. C'est ça qu'une fois que ta mère habite à côté, hein. Ça arrivera pas tout le temps, mais c'est ça qu'une fois qu'elle habite à côté. Ah. Une. Deux. Trois. Sauf que j'ai pas compris. Bon. Et ça, quelle fois, quand ta mère habite à côté, tu peux aller chercher de la farine, sans problème. Sauf que, ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle m'a pas dit pourquoi t'as pas pris la chapelure que je t'ai donnée. Ça, je la comprends pas. Je pensais qu'elle l'aurait demandé, pourquoi t'as pas pris la chapelure que je t'ai donnée? Cuillère de paprika. Poudre d'ail. 2. Poudre d'ail, s'il m'en manque, ça, c'est pas le plus grave qu'il faut. Mais je pense que j'en ai assez. Poudre d'oignon. 2. Finalement, intensité, les deux caméras, là, ça fait un job en mot, t'as dit, hein? Ça a valu la peine de se battre pendant 2 heures pour réussir à faire ça, parce que... Faut que j'avertis pourquoi ça a été long avant que je fasse mon setup et tout. On va les laisser dans le four. C'est parce que là, j'ai deux caméras, la 615 et la 920. Puis, la 920 prend beaucoup de jus, contrairement à 615. Puis là, c'était de tout faire le setup. Ça a été l'enfer pour que tout fonctionne comme il faut. Fait que là, je suis juste content, là. Que tout fonctionne. Mais pour revenir à la recette de Rick Hughes, tantôt, ce que je disais, c'est que le pire, c'est que c'est la recette de l'émission La Relève qui jouait à TVA. Fait que, bon, on va mélanger ça comme il faut. Faut pas mélanger trop fort puis trop vite. Parce que c'est là qu'on fait des dégâts. C'est ça qu'on m'a tout le temps appris. D'après moi, ça c'est prêt. Là, je vais me sortir un autre cul de poule. Pour mettre les poulets dedans, ce que je vais faire, celui-là, lui pour mettre les poulets, lui pour mettre mes œufs. Puis mes œufs, il en faut 6. Ouais, t'as tout le temps raison, intensité, tout le temps raison. Elle aime ça, se dire, elle aime ça, une petite tape sur l'épaule, là. T'as tout le temps raison, intensité, tout le temps, tout le temps. Je reviens dans 2 secondes. Zach, la lumière dans ta chambre. Va éteindre la lumière dans ta chambre. Là, donnez-moi un instant. Parce que là, l'émission préférée à Zachary commence. Puis, on va y mettre. Hein?
Ouais, on va le mettre le hockey. Non, il a déjà commencé depuis une demi-heure. Fait qu'on va manquer 3 buts de Kotkaniemi. Fait qu'on a manqué 2 buts. Mais là, Zachary, il a de la peine. Là, Zach, il a de la peine parce qu'il a manqué 2 buts. Ciao, intensité. On se revoit tantôt. De toute façon, je pense pas que le show va être fini quand tu vas sortir. Hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Non, je l'ai manqué, hein. Avant, j'étais capable de le faire. Puis j'ai perdu l'habitude. Avant, je le faisais parfaitement. Quatre. Cinq. Ah, ils sont mal cassés. Hein? On va mélanger ça. Et voilà. Là, on va sortir les cuisses de poulet. J'ai oublié de les sortir. Fait qu'on va se faire de la place pour que je sois en mesure de couper mes cuisses de poulet. On va tasser la poubelle pour jeter les coquilles. J'en ai pas encore besoin pour mon potager. Parce que normalement, les coquilles, là, vous les passez dans le batteur, puis ça devient de la poudre, là, puis ça devient super de bon engrais pour les plants l'été. Ouais! J'ai évité le pain, je pense. Mettre ça là. On va prendre le gros cul de poule, finalement, pour le poulet. Puis, on va prendre lui pour les cochonneries. Poulet sous vide. Parce que j'ai une machine sous vide chez moi. On aiguise le couteau. Ok, la friteuse est prête. Puis là, je veux juste me rassurer d'une chose avant. C'est combien de minutes déjà? Parce que la dernière fois, c'est un peu ça qui m'a coûté. 325. Ok, ça c'est fait. Ouais, parce que Carey Price, sa femme, elle a accouché. Carey Price, sa femme, elle a accouché d'un bébé. Fait qu'il sera pas là pour les 2 matchs. Ouais. Et voilà.
Et voilà. Zach aime bien ça, les poulets frits, fait que... Passer des instruments pour avoir le plus de place possible. Parce que je vais avoir de l'espace, tu sais, pour tout faire puis tout. Bon. OK. Alors là, j'ai tout. Les œufs, une fois, on les enrobe comme il faut dans la farine. On va juste tasser la plaque à biscuits. On les enrobe dans la panure. On remet de la farine. Puis moi, je le fais une troisième fois. Juste pour être sûr qu'il y a en masse de panneux. Quand ils vont aller dans l'huile. Et voilà. F. Surtout les cuisses, là. Pas les pilons, là, mais les cuisses. Là. C'est tough, bien les enrober, là. Mais je pense que j'aurais réussi à les enrober comme il faut. On va les tasser un peu. Là, c'est dommage, je n'ouvrirai pas la friture. Et on y va encore. Parce que le but, là, c'est vraiment, là... Parce que le problème, là, c'est quand on les met dans la friture, là... C'est parce que le problème, là, c'est que la friture, là... comment je pourrais dire, la friture, désolé, c'est que Zach qui me parlait, la friture, ben, la farine, à part. Hey, Monsieur Guilec! Monsieur Guilec, comment est-ce qu'il va? Désolé, j'ai pas, le chat est dos à moi, là. Merci beaucoup! On fait notre possible, hein, avec le stock qu'on a, sais-tu? Code Kanyemi. Ouais, c'est ça. Yaspiri Code Kanyemi. Ah, oh, veux-tu bien? Bon. Là, c'est plate. Vous... Ah, merde. OK. Là, c'est dommage, là. Vous verrez pas la friture. La câble se tourne pas.
Une recette de pogo. Non, mon cher, j'ai pas de recette de pogo. Bon, monsieur, là, c'est plate. Non, mon cher Ilek, tu ne me verras pas faire de recettes de pogo au curry ou whatever name it, là. Je vais me contenter de la recette que je fais aujourd'hui. Écoute, l'autre fois, j'avais fait quoi déjà? C'est quoi j'avais fait? On avait improvisé le premier sujet, je ne me rappelle plus ce que j'avais fait. Puis perso, j'avais bien aimé l'expérience. Ah, là, la minuterie. 15 minutes. Puis on va sortir les biscuits aussi après. Là, celui-là, là, on va le tremper un peu. Parce que je sens qu'il va perdre tout son enrobage et que c'est pas beau à voir, mais que c'est bon. Deux à deux. Bon. Là, l'important, c'est qu'il faut pas que les deux morceaux se collent. Ah, c'est vrai. Non. C'est 7 minutes. C'est 7 minutes parce qu'il faut les retourner pour qu'ils soient uniformes. Non, là, tu t'approches pas, Zach. OK. Ça, c'est parti. Faut pas que tu t'approches parce que... à cause du poulet. Ouais. OK. Là, qu'est-ce que je peux faire? OK, je sais quoi. Là, je vous avertis tout de suite, c'est des vieux bols. Fait que regardez pas trop de quoi qu'ils ont de l'air, OK? On va faire une affaire à la fois. Checkez bien ça. Petit tweet pour toi, Pat. Voici le message. Stream de cuisine pour mon copain Actarus42. Yes, sir. Merci. Merci beaucoup. Mais Irilek, t'as pas idée comment que je me suis battu pour que ça fonctionne, ce maudit stream-là, avec les deux caméras, là. Ça n'a pas été évident. Là. Es-tu encore chaude? Ah oui. Mais t'es un peu sale. On va la vider pour que je puisse laver mes pinces comme il faut. Mais non, Ilek, t'as pas idée comment c'était tough faire le setup pour les caméras, là.
pour réexpliquer l'histoire là, une dernière fois, là, c'est que la 920 prend plus de jus que la 615. Fait que ça a été tough pour les, de pouvoir les brancher ensemble. Là. Puis, perso, chaque fois que je regarde des streams de cuisine, sans rien enlever à personne, parce que c'est pas tout le monde qui a comme l'équipement là, pour le faire là, comme il faut. Là. Mais, tu sais, je trouve des fois qu'on manque de vue. Puis quand je l'ai fait la première fois avec Intensité, puis que, tu sais, j'avais improvisé, là, mais je savais où m'en aller pour la deuxième fois. À cette heure que je sais où m'en aller pour la troisième, quatrième fois, là. Faut juste souhaiter que... Non, non. L'eau est hyper bouillante. Mais on dirait que... Elle ne ferme pas comme il faut. Là, comme je vous ai dit tantôt, là, c'est que j'ai lavé ma friteuse. Là, c'est pour ça, les petits moutons, là, de gras, là, sec, là. J'ai comme 3 minutes pour laver. Mes pinces. Zach, approche pas, j'ai la friteuse qui fonctionne. Mais attends, je vais t'aider pour ça. Là, attendez. Là, je me dépêche parce que je veux pas manquer le poulet. Puis j'aimerais ça sortir les biscuits à un moment donné, là. Ouais, mais on les mange après le poulet, hein? Puis t'as intérêt à finir ton poulet, hein? Non, tu vas en avoir juste un. Ben, un pilote poulet, là. Poulet frit, comme d'habitude, là. Puis si tu le finis, ben, tu vas pouvoir manger des biscuits. Hey, Monsieur Arthur Laroche! Comment est-ce qu'il va, M. Arthur Laroche? Intensité est partie, elle va revenir plus tard, là. Fait que, là, je veux juste servir un verre de jus à Zach dans les verres Budweiser. T'es tannant. Ah, oh, t'es tannant. Ah, oh, t'es tannant. Elle est pas drôle! Ben, attends, veux-tu que je sais? T'es tannant, ça a pas d'allure. Zachary a écrasé l'ouverture du jeu. Ah, en plus, il y a immense de jus. Ah ouais, prends ça, là, va-t'en! Va-t'en! Alors, tout de suite, en bas. Non, je t'aime trop pour ça. Je te voudrais tout le temps. On ne sait pas, peut-être qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. Pendant la semaine, elle ne voudra plus avoir Zach, elle va en avoir assez d'une. Donnez-moi un instant. OK. Un côté de prête. Là, faut que j'y retourne au plus vite, sinon je vais manquer ma shot. Ils ont collé.
Ok. Et merde. Ça, c'est fait. Là, c'est de sortir les biscuits. Parce que là, ça fait un bout là, qu'ils sont en train de se réchauffer sur eux autres mêmes. Hey, qu'ils sont beaux! Attendez, je veux voir si on voit bien. Zach, là t'as touché à la cam. À quoi? Ok. Ouais, ils sont gros mes biscuits pis on aime ça de même. Ouais. Ah, pis ils tiennent dans la main. Ah, Zach, ils vont être bons. Pis en plus, ils sentent bon. Là, t'as touché à tout, là. Non. Oui. Bon! Oh oui, qui vont être bons. OK. J'ai mal fait mon timer. 6 minutes. OK. Fait que là, le poulet est en train de se faire. Puis là, on va faire une autre étape. Quoi? Va écouter ton hockey, toi. Oui, je sais, désolé, je suis en train de... Intensité là pour le chat, j'ai vu, intensité, tout le monde, désolé là, je suis un peu, je me sépare en deux là. Puis je suis en train de battre mon gars à coups de pied comme un ballon de soccer. T'en veux-tu encore des coups de pied, Zach? Oui. Je l'aime ce petit gars là. Même si il paye Tana, je l'aime. Eli. Oh! Salut Eli! Merci Guilec! Comment ça va, merci Guilec? Le secret le mieux gardé au Québec, la top modèle! Pat aime les gros biscuits! Oui, j'aime les gros biscuits. J'aime les tout petits aussi, là, mais des bons gros biscuits une fois de temps en temps. Là. Non, Zach, embarque pas dans cette discussion-là. Hey, Irilek, t'es tellement chanceux là, d'avoir une top modèle comme blonde. Là. Tu sais, là... Le secret le mieux gardé là, au Québec, là, c'est ta blonde. C'est une top modèle. C'est une top modèle. C'est une fille qui n'aille pas de se faire prendre en photo et qui est payée pour ça. Mais pour ça, il faut être super belle. C'est plus vraiment nécessaire à cette heure, là. Mais quand moi j'étais jeune, il fallait que tu sois super, super belle pour être top modèle.
Ouais, mais toi, c'est ta mère qui veut pas que tu sois un top modèle. Parce que... Elle veut pas aller à des séances de photos. Ouais, ça, je le sais que t'aimes pas ça, des séances de photos. J'ai encore une soudaine expérience d'une séance de photos Sears qui a été très tumultueuse avec toi. Mettons que Zach en avait pleuré une shot. Ah, quand on était prendre la séance de photos Sears, t'avais pleuré pas mal beaucoup. Toi, on repensera si t'es pas trop laid, moi, Irilek. On repensera le standard de qu'est-ce qui est une beauté avec toi, Irilek. Demanderai pas à ta blonde, c'est sûr qu'elle va dire que t'es le plus beau, là. Mais tu sais, en tout cas, on repensera savoir si t'es un top modèle, Irilek. Là, ça, je veux m'en débarrasser. Zach, fais attention à la caméra. Oh oui. Encore 2 minutes pour le poulet. Mais perso, là, j'ai encore peur. Hey, Zach, ton jeu, il est où? OK. Ben, va dans le bois. Hey, en passant intensité, il est qui aime le setup qu'on a fait avec les deux caméras. Fait que tout le chapeau va être assisté. C'est son idée de faire deux webcams. Puis perso, c'est juste une idée trop géniale. Là. Ça fonctionne à merveille, puis je suis content que ça fonctionne. Là, j'en profite pendant qu'il reste encore 10 secondes. Mais perso, je peux les laisser une petite minute de plus tant qu'il cuit comme il faut. Moi, bon, c'est quoi l'autre connerie là, qu'ils ont écrit là? Est-ce qu'il y a juste moi qui espère que le... J'ai pas fait assez de... Stock pour... On voit plus ta deuxième cam. Oh! Non, on n'en voit même plus aucun des deux. Zach! Oh non! Oh non, 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 non! Non? On me voit encore? OK, phew! OK, phew, j'ai eu peur pendant 2 secondes. OK. On me voit encore. OK. Ouh! Ouais, je sais, j'ai eu peur. J'ai eu peur, Geneviève, en mot, t'as dit. Ah! Oh! OK. Là, c'est le moment fatidique pour le poulet frit. Oh, mais ça! Là, c'est le moment fatidique pour le poulet frit, là. On va laisser les autres cuire, là. Il y a de l'air beau.
Mais c'est toujours la maudite salmonelle. Ah, il est pas assez cuit. Hein? Kim, il est pas assez cuit d'un bord. Il est assez cuit, puis il est pas assez cuit. On va le laisser un petit 2 minutes de plus. Mais Kim, il est assez cuit, puis il l'est pas assez. Là, donne-moi un instant, là. Là, j'aurais pu le chat pendant 30 secondes, là, parce que là, je t'en ai... Ouais, mais celui-là, intensité, t'inquiète, on le mange jamais. Moi, je le mange. Moi, ça me dérange pas. Parce que quand j'étais pauvre, j'ai déjà mangé... Zach, éloigne-toi de l'ordi. Parce que c'est dangereux. C'est déjà un setup de merde que j'ai, là. Brise-moi pas tout. Mais pour venir à intensité, quand j'étais pauvre, j'ai mangé énormément de poulet avec de la salmonelle. Parce que j'avais pas les moyens de jeter de la bouffe. Fait que, manger de la salmonelle, moi, ça me dérange pas. J'en ai déjà mangé énormément. Mais Zach, ça me dérangerait. Ça veut dire qu'ils sont foutus 15 minutes. C'est pas assez. C'est jamais assez. Bon. Là, ça me tape ses nerfs. Il y en a un qui a collé. C'est un des miens, c'est pas grave. La pluie est en train de s'enlever. Bon, ben, just too bad, je les ai manqués, ou presque. Il y en a un qui est super bien réussi. Comme j'ai dit, là, les cuisses, là, c'est plus difficile. Les pilons, ça va super bien, mais les cuisses, c'est le pire. La farine est toute partie. Just too bad. Mais, tu sais, c'est les miens, c'est pas grave. C'est celui à Zach là, que je veux qu'il soit le plus réussi. Là. Mais les autres, c'est les miens, c'est pas grave. Avec des frites? J'aurais dû... écouter mon idée, puis les remettre une deuxième, puis une troisième fois. D'après moi, il y en a une que j'ai mis juste 2 fois, puis une que j'ai mis 3 fois. Celle-là, je l'ai mis 3 fois. Ou celle-là, j'ai mis 2 fois, là. C'est juste un peu dommage. Donnez-moi un instant, là.
Juste aller voir le chat, je reviens. Ouais, c'est sûr. L'important, c'est que ça soit bon. Juste dommage qu'il soit pas parfait là, comme je les aime, là. Fait que, en tout cas, au moins les biscuits sont réussis. Je pense que le plus important, c'est que les biscuits soient réussis. Hein, Zach? C'est quoi qui est plus important, le poulet ou les biscuits? Ouais, c'est ce que je pensais. Faire les frites. Les frites, par exemple, je pense que j'en ai trop faites, mais ça sera pas trop grave. Oups. Solution pour les frites. OP, tu donneras le poulet au raton laveur. Non, je pense pas, Y. Perso, c'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment, là, vous le voyez, là. C'est vraiment, il manque de la friture, il manque de la farine, là. C'est rien, là. C'est que dalle, là. C'est juste un manque de farine. Sinon, c'est pas mal sûr qu'ils sont cuits, là, parfaitement, là. Fait que... Bon! Ah! Oh, hey, la recette! Mais ça, hein? Bon. Astor. La trempette pour les frites. T'es pas mal loin de chez nous, Ilex. Ça serait pas mal difficile pour toi de venir chez nous, là. T'es trop loin. Entre toi et moi, là. T'es loin. Je cherchais la mayo. 3 gousses d'ail hachées. Moutarde de Dijon. Ça, c'est pour moi parce que Zachary, je sais qu'il n'en mangera pas. Jus de citron. Une trempette pour les frites. Parmesan. Ciboulette, j'en ai pas, fait que ça fait du persil. Ça, c'est mon persil, ça. Ouais. Surtout qu'il est rendu tard, là. On va la faire en triple parce que si on la fait comme eux autres l'indiquent, là. I. Faire 4 fois, t'es. Là, un truc pour les gousses d'ail. Ça, là, ce truc-là, il est génial. Bon, ça n'a pas fonctionné ce coup-ci.
Non, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Parfaitement en plus. Mais pas parfaitement à 100%, là, mais ça a fonctionné. Là, ça, c'est bien. Moi, j'utilise une tonne de planches à découper. Et tu m'as fait peur, je pensais que c'était ton verre de jus. Ah, qui m'a fait peur, je pensais qu'il venait d'échapper son verre de jus à terre. Mais on a affaire comme, hey, fais-moi pas un dégât. Imagine ton... Toutes les cassettes sur le site passent pas. Imagine avoir... Oh mon Dieu! Ne pas saler mon beau tablier! T'as pas idée combien de fois je l'ai sali celui-là, Lily? Hey, il date pas d'hier! Hey, va savoir fait combien d'années que ma mère m'a acheté ça, cet tablier-là. T'as pas idée. Fait combien d'années que j'ai ça. Là, ça me tape ses nerfs. Mon couteau du chef était utilisé pour le poulet. Il me faudrait un deuxième couteau de chef. Je m'ennuie de l'époque, j'en avais deux. Ben bon, il a fallu que je m'en débarrasse d'un. Oh! Hein? C'est quoi ça? Wouh! Merci, Iglec! Merci pour le don, mon cher Iglec! Ouais! Merci mon cher Ilek pour le 10$! Oh yeah! Ben, il y a un monsieur qui vient de me donner 10$, Zach! Ouais, Ilek vient de me donner 10$! Là, ça me tape ses nerfs. J'ai encore la misère avec mon Internet. Zach, tasse-toi de là! Merci, Pinkanto, pour le follow. Zach, tasse-toi! S'il vous plaît. Merci, je t'aime. J'ai de la misère avec le portable et l'Internet sur le portable en ce moment, mais c'est parce que la connexion est loin. Qu'est-ce qui se passe? OK, ça c'est Pulconto pour le follow. Merci! Hey, c'est vrai, les frites, hein? Les frites sont cuites. Les frites sont cuits. Crème, qu'ils sont graisseuses, hein? Je vais mettre un autre papier pour absorber le gras. En tout cas, le souper est fait. Et voilà.
Il y a juste à finir la trempette pour les frites. Là, j'ai comme l'impression de me dépêcher. Fait que là, je prends un peu moins mon temps que pour les biscuits. Parce que j'ai hâte d'aller manger. Là, je suis désolé, là, il y a un problème avec mon internet sur mon portable. Fait que j'arrive pas à tout lire, qu'est-ce que vous écrivez. Ça, c'est un problème qu'on va régler entre-temps. Là, d'après moi, j'ai mis trop de jus de citron. Ouais. On va rajouter une cuillère de mayo pour absorber le jus de citron, là. En rajouter deux, pour être sûr. Et voilà. Ça, c'est fait. Bon. Ouais. Et voilà. C'est fait. C'est prêt. Je vais juste aller lire le chat, là. Bon. OK, follow Picognito, merci. Bon, il me reste plus qu'à aller bouffer mon poulet. Non, lol, Eric Lec, il. Bienvenue pour Nikito. Les frites sont cuites, Pat. Ils sont pas cuits, là. Il est rendu à quel âge, Zach? 8 ans. Moi, l'intérêt principal, Pat, c'est de... Bon, je connais un super maillot à l'ail que le chum à ma belle-mère achète pour le... Jamais goûte. Bon! OK! Fait que le souper est prêt. Finalement. J'espère que vous avez aimé ça. On va souhaiter que le setup prend moins de temps la prochaine fois. En passant à ma bière pour aujourd'hui. La Dead Valley. C'est ma bière pour aujourd'hui de Brasseur RJ. Avec son verre qui va avec, en plus, j'ai reçu ça en cadeau. Ben, à vrai dire, j'ai reçu un petit kit en cadeau de Brasseur RJ, l'Apocalypse, puis coup de Grisou, qui sont les deux verres qui vont avec, les deux bouteilles, puis ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime les bières de microbrasserie. Tu l'as vu, la dégustation. Et voilà. Ça venait tout dans un beau petit kit. Fait que ça, je suis content. J'espère que vous avez aimé le stream, tout le monde. La vidéo. Pour me suivre, c'est Actarus partout sur les internets. 42. Alpha 42 Net également. On revient après les fêtes pour le podcast à tous les dimanches. Il va y avoir des streams de jeux là, sûrement au courant de la semaine là, vers lundi ou mardi parce que le petit bonhomme qui est là s'en va chez sa maman. Tu veux-tu nous faire un petit bonjour, Zach, avant qu'on s'en va? Attends. Non, pas avec ton gros ballon. Oh! Fait que là, je vais te donner ton morceau de poulet. Que tu peux emmener avec toi. Oui. Ben, c'est ça que tu manges d'habitude. Ben, c'est un petit morceau. Fait que, c'est ça. Fait que, moi, je vais aller manger. Moi, écoutez le hockey.
En passant, si on ne s'en voit pas avant le 31, ce qui m'étonnerait, Zach, Geneviève te fait dire bonjour et relaxer. Je vous souhaite une bonne année 2019. Comme j'ai expliqué dans certaines de mes vidéos, l'année 2018 n'a pas été facile pour moi. Fait qu'on va se souhaiter une meilleure année 2019. Plus tranquille. Plus de bonne humeur. En tout cas, il y en a un qui va avoir une année pas mal plus chargée que la mienne en 2019. Hein, Zach? Ouais. On ne dira pas pourquoi. Fait que... on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup ceux qui ont été là sur le chat. C'était hyper apprécié. Merci beaucoup pour le don Y de 10$. Tu sais comment ça aide. GoDaddy. L'Internet. Ça aide toujours pour ça. Mais surtout le GoDaddy, là. Fait que... hey, merci beaucoup le grand marabout. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve une prochaine fois. Si, j'espère que vous avez aimé ça, ce podcast de ce petit bouffe 42 ou cooking 42. On va essayer d'en faire d'autres plus tard. J'aime toujours ça, faire à manger, puis sûrement je vais faire d'autres cooks plus tard. Mais le problème, c'est que c'est toujours de faire, de remplir tout le temps pour pas avoir de perte de temps. Fait que je pense que tout le temps faire dessert et faire de la bouffe en même temps, je pense que c'est toujours winner. Salut tout le monde! Bonne année encore! Puis on se retrouve en 2019. Meilleure année que 2018. J'espère pour vous autres, puis j'espère pour moi aussi.